Annie, qui a aujourd'hui 8 ans, et son papa l'a enlevée alors qu'il avait 2 ans et 10 mois, donc de la France vers l'Algérie de façon illégale. Donc son papa et moi n'étions pas mariés, donc c'est un enfant qui est né hors mariage et il a été reconnu en France. Et donc il est parti en Algérie le 8 juin 2012. Depuis cette date, le jour de l'enlèvement de mon fils, j'ai effectué toutes les démarches légales en France pour récupérer mon fils. Donc en fait, j'ai obtenu la garde en France. Un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre en février 2013 et 2 ans de prison ferme. Donc à l'issue des démarches en France, j'ai donc entrepris des démarches en Algérie. Donc je suis partie en Algérie pendant 2 années et j'ai pu voir mon fils en droit de visite sur place. Et j'ai pu assister à toute la procédure judiciaire. Donc la justice algérienne a ordonné en date du 24 avril 2014 la remise de l'enfant à sa mère de façon exclusive et exécutoire. Et depuis cette date, donc il devait rendre l'enfant et il est en cavale avec mon fils et sa femme. Oui. Donc voilà, donc là, je remercie vraiment l'État algérien de mettre en place cette alerte enlèvement. J'espère que tous les Algériens vont se mobiliser et j'espère que mon fils va être retrouvé très rapidement, Inch'Allah, d'accord. D'accord. Inch'Allah, de façon à ce qu'il puisse retrouver les bras de sa maman et enfin pouvoir, j'ai hâte de pouvoir le serrer dans mes bras. Rani a besoin de sa maman, il n'a pas besoin d'être en cavale à son âge. La justice algérienne a décidé que l'enfant devait être avec sa maman et c'est une décision de justice qu'il faut exécuter. Donc Rani a besoin de sa maman et j'ai besoin de mon fils. Je demande à toute personne qui a des renseignements de composer le numéro qui a été mis à disposition, le 103 et le 104. La moindre information, il faut la communiquer. Faites-le pour le petit et faites-le pour les yeux de Dieu, mais faites-le, c'est important. Donc, il faut vraiment donner toutes les informations. D'accord, Inch'Allah, madame, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie, madame. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Ah, c'est bon, madame. C'est bon, Vous madame. avez tous les documents, vous avez tous les documents officiels sur ma page Facebook, si vous avez D'accord. besoin. D'accord, madame. Vous trouverez toutes les décisions de justice. Oui, Voilà. le procureur nous a donné les documents, c'est bon, c'est réglé. Merci beaucoup, Bon, madame. vous pourrez m'envoyer le lien? Oui, madame. Dès que on diffuse, je vais vous envoyer un lien ou bien la vidéo. D'accord. D'accord, Je vous madame. remercie. Au revoir.